On va s'amuser à faire une petite session PVP. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner parce que le PVP, il est mort, on va dire. Mais il y a quand même moyen de faire quelques missions PVP et de faire avancer les feats PVP, même si en face, il n'y a pas forcément du PVP. Donc déjà, il faut voir les feats. Alors les feats, il y en a à peu près partout, je pense. Mais là, le quatrième épisode, si je dis pas de bêtises, c'est que du... Ça, c'est que du PVP, tout ça, si je dis pas de bêtises. Et encore, peut-être que j'en dis des conneries. Dans l'arène des planques, il me semble que l'arène, c'est du PVP. Hein. Tout ça, c'est du PVP. Match d'arène JCJ, c'est PVP. Termine les exploits, nanana. Alors attendez, terminé du bout de nuit. Du PVP, vous allez en trouver à peu près dans... Là, si je vais là, à joueur contre joueur, vous avez déjà tout ça. Tout ça, ce sont des feats PVP. Alors moi j'en ai fait sans en faire, on va dire que je me suis amusé à en faire pour les PVP, mais il y a les trucs qui sont assez simples, enfin assez simples, façon de parler. Ça je crois que c'est assez simple, vous voyez ça a été fait en 2015. Je m'y suis pris tard pour ça. Alors tout d'abord, pour faire le PVP, déjà on va changer les... Je vais réinitialiser les points de compétence. Point de compétence, pouvoir, on va tout réinitialiser parce que le PVP, moi je le joue en précision. Alors c'est bizarre parce que en DPS, j'aime pas jouer en précision, je joue tout en puissance. Et là, je joue en précision. Alors en stuff, vous pouvez faire du PVP avec un stuff normal. Mais ce qu'il y a, c'est que en gros, en PVP, c'est pas la santé qui va primer, mais ce qu'on appelle l'endurance. L'endurance, c'est un peu comme la défense du PVP. Alors vous voyez, moi j'ai une arme de main parce que je joue à la deux mains. Alors j'ai pas tout le stuff PVP, je l'avais, mais j'ai revendu. J'ai supprimé parce que j'avais plus de place dans mon inventaire, donc je suis obligé de supprimer. Donc je vais prendre tout ce que j'ai en PVP. Alors je sais même pas si c'est le gros level. Je crois que c'est même pas le gros level en réalité. J'ai presque envie de dire, regardez ses stats. En réalité, non, je vais même pas le prendre. Regardez la stat de l'arme par rapport à la précision ou à la puissance. Vous avez enlevé? Vous avez vu? Ça enlève gavé de précision, gavé de puissance. Donc je vais garder l'arme parce que j'en ai pas d'autre. Mais vous voyez, la tête, ça ajoute juste de l'endurance, mais ça enlève gavé de puissance et gavé de précision. Donc je vais pas m'embêter. Je vais les enlever. Après, il faut savoir que là, le niveau, il est 100. Je pense qu'il y a des niveaux au-dessus. Mais sauf que moi, j'ai arrêté de faire le PVP. Au début, quand vous commencez votre PVP, c'est un peu comme quand vous êtes en rôle normal. C'est-à-dire que le stuff, il évolue au fur et à mesure. Et il faut compléter tout ce stuff pour avoir accès au stuff supérieur. Donc là, je prends juste l'arme. Je prends l'arme parce que j'ai pas le choix. J'ai pas d'arme à deux mains. Je sais pas jouer avec autre chose que l'arme à deux mains. Alors pour les stats. Alors si je dis pas de bêtises, alors on va se mettre en précision, parce qu'on va faire que des dégâts à l'arme. Ben là c'est pas compliqué, on met tout ici. Ben tout ici. Alors là je mets tout en précision. Et le reste, ben, soit en puissance, soit en santé. J'ai envie de mettre santé. Ouais je vais mettre santé, allez, je vais mettre santé. Alors l'armement, le souci de l'armement, c'est que je sais plus quel pouvoir j'utilisais. Alors déjà, vous êtes en précis, donc en précis, on va mettre le imprègne-toi de ton arme de filet magique, augmente les dégâts, nanana. Ça, c'est augmente les dégâts de l'arme, donc ça, c'est obligatoire. Il y a le tapis de sol. Alors le tapis de sol, quand on est sur un ennemi, c'est bien aussi. Le seul souci du tapis de sol, c'est qu'il est statique. Donc ça c'est moyen. Après on va mettre beaucoup de pouvoir. Alors déjà il y aura le bouclier. Et on va mettre beaucoup de pouvoir.
qui sont, comment dire, alors j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai tout mis sans réfléchir. Alors faites gaffe quand vous faites vos points de compétence parce que d'abord on met la super vitesse et après il y a d'autres pouvoirs qui peuvent être intéressants dans la super vitesse. Alors après c'est des... Pendant qu'elle tire la cible vers toi, il lui inflige des dégâts. Attaque en sprint en mode super vitesse uniquement, fonce tête baissée en bousculant les ennemis sur ton chemin tout en protégeant les effets de contrôle et des effets de nanana. Encercle les ennemis proches avec un tourbillon. Ça, c'est quand t'en as plusieurs. Ah, apparemment, c'est un bouclier. Ben, je... Eh, c'est une surcharge. Ah ouais, mais non. Attraction. Il y a des pouvoirs qui sont là-dedans. Je ne les connais pas tous. Il y a des pouvoirs qui peuvent nous servir. Alors, il y a des trucs qui servent à rien parce que je sais pas à quoi ils servent. Et il y a des trucs qui peuvent servir. Il y en a beaucoup qui se servent de ce pouvoir. Qui sert de ce pouvoir, alors pourquoi pas, j'ai presque envie de dire, après tout, si l'ennemi est au sol, pourquoi pas, quand on a beaucoup d'ennemis autour, pourquoi pas, après ça c'est un pouvoir qui va être axé sur la puissance, donc est-ce que je le prends, on va dire non, mais on peut le tester, c'est possible de le tester. L'arme, c'est la deux mains. Alors en plus j'ai fait une bêtise tout à l'heure, c'est que j'ai tout mis en précis machin, mais d'abord faut qu'on fasse tous ceux qui ont accès à la deux mains. Alors moi si j'ai pas de bêtises, c'est à l'arc. Maîtrise, requiert l'arc, il faut le faire à l'arc, donc c'est l'arc. Donc on va faire l'arc. Maîtrise deux mains et là... Ça va être à l'arc. Alors les deux, c'est l'arc. Donc logiquement, si j'ai pas de bêtises, utilise l'arc pour réaliser une version des versions de ton et utilise l'arc pour réaliser une version. Normalement, si j'ai pas de bêtises, il faut aller à l'arc alors. Et l'arc, on doit avoir des trucs par rapport à la domaine, non? Alors attendez, c'est où? Arts martiaux, pistolet double. Ah non, il faut quand même la maîtrise de l'arc. Donc on va le prendre. Alors je comprends rien à ce truc-là. Bah apparemment il faut tout prendre. Et là si je fais pas de bêtises, à la demain, c'est vrai, voilà. Alors maintenant si je prends l'arme de main. Alors je sais plus comment je faisais. Je crois que je faisais ça, ça et triangle. Merde. Alors déjà il y a un truc qui va pas, c'est que je sais plus comment on fait. C'est pas carré, carré, triangle. Ah non, maintenir. 3 maintenir et un triangle. Et ça, c'est maintenir, maintenir. Alors ça. Voilà. Et ça, c'est 1, 2, 3 et triangle. Donc voilà, il faut que je me rappelle. Maintenant qu'on a notre arme et nos combos d'armes, on peut passer à ça. Alors déjà. On peut à la rigueur imaginer notre barre parce que peut-être qu'on va pouvoir mettre un autre bouclier, pourquoi pas. Là, on va dire que j'ai mis le tapis de sol. Et ça, c'est le truc qui booste l'arme. Ça, c'est quoi? Inflige une puissante malédiction qui étourdit ta cible, lui inflige des dégâts progressifs. Ça peut être pas mal aussi. Donc, on ferait ça. Alors. Testez vos pouvoirs sur une cible d'entraînement. Voyez, moi, en gros, je mets le tapis de sol plus le truc, ça pourrait être bien. Pour l'instant, j'enlève les acolytes. J'enlève les acolytes. Je mettrai les trucs après. Alors, donc ça, c'est bien. Vous mettez le tapis de sol
Et c'est un bad karma. Alors regardez, ça dure 12 secondes. Donc en gros, pendant ce temps, je peux taper alarme. Là, je peux mettre. Alors je sais pas si je mets mon acolyte, qui est la furie. Si l'ennemi va détruire. En gros, l'ennemi va détruire la furie. Donc est-ce que c'est. À chaque fois, je vais faire que le mettre. Donc pour moi, c'est pas nécessaire de mettre la furie. Donc là, on va mettre des pouvoirs qui vont être au corps à corps, à proximité avec une enfin, l'énergie. On peut mettre un pouvoir au corps à corps. On va dire celui-là. C'est pareil, testez-les. Alors celui-là, ce qui m'agace un peu, c'est que l'animation, je la trouve longue. Il lève le bras. Il faudrait mieux avoir un pouvoir un peu comme le glace, le brésilien, la rigueur, un truc qui pourrait nous servir comme ça. Là, faut regarder si j'ai autre chose qui sera au corps à corps. C'est quoi ça? Non. Je connais pas trop les pouvoirs que je pourrais utiliser en. Alors, le rune final, il est intéressant parce que c'est quand l'ennemi a moins 35%, il faut s'en servir. Donc, au pire, on va mettre ça. C'est ça le rune final? Alors, attendez, je crois que je me suis trompé. Hein. C'est pas celui-là, je crois. Quel con. Il est où? Celui-là qui a fait moins 35%, il est où ce con? Alors, putain. À moi qui n'aime pas chercher. C'est celui-là. Bombarde la cible avec de l'énergie ésotérique, lui infligeant des dégâts. Si la cible est sous les 35%, inflige des dégâts supplémentaires. Alors ça, vous vous en servez quand votre ennemi il est en fin de vie. Hop, vous vous servez de ça, ça fait de plus gros dégâts. Maintenant, il nous reste à trouver un pouvoir. Je ne sais pas quoi prendre comme pouvoir. Il faudrait un pouvoir presque de corps à corps qui fasse tomber l'adversaire, quoi, mais je sais pas quoi prendre. Peut-être dans les emblématiques, pourquoi pas. Dans les emblématiques, je sais pas s'il n'y en a pas un qui le fait. Alors, une surcharge, mais moi je vais éviter la surcharge. Alors ça a étourdi les ennemis, mais je sais pas si ça a étourdi les en PVP. Hein. Vous savez quoi? Ben, j'ai envie de prendre un bouclier. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai le bouclier. En gros, j'aurai deux boucliers. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de prendre celui-là? Je ne sais pas, on verra bien. Là, ma barre, ça va être ça. Donc, en gros, ça va être beaucoup axé sur la précision de l'arme. Donc, l'arme, on l'a fait. Pouvoir emblématique, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, les stats. Alors, les stats, ben, on met tout en dégâts armes. Là, 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 la magnitude. Là, vous mettez tout en précis. Et le reste, moi, je mets en santé. Vous pouvez mettre en puissance parce qu'il y aura un peu de dégâts de puissance. Je mets en santé. Je mets en santé parce que je suis en DPS. Hein. Maintenant, il y a les artefacts. Alors, les artefacts. Grimorium, parce que Grimorium va taper l'ennemi, donc pourquoi pas. Ça, c'est ce qui met les 20%, c'est pas ça? 20% de chance de critique, ça, on va le mettre. Alors, par contre, l'éclat de la source, je vais l'enlever. Ah non, ouais, l'éclat de la source, je vais pas le mettre parce que du coup, j'ai pas le pet. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux mettre. Queensley. Alors Queensley, il y a encore. Déjà celui-là on l'enlève. On va dire qu'on l'enlève. Alors l'embout des armes augmente de ta surcharge maximum, la régénération. Alors ça j'ai pas de surcharge. Amplificateur solaire, je ne l'ai pas. Ça c'est pour le heal. Alors attendez, c'est quoi ça? Si, c'est celui-là, la carte de stratège. Attendez. Ben, si, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là, on va pas s'embêter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va pousser le vice à fond. C'est que on va carrément
se mettre en phase PVP. Donc on va aller à la... Alors je vais à la tour de guet parce que là ce qu'on va faire, on peut le faire aussi à la chambre des légendes, sauf que je sais pas trop où il est à la chambre des légendes. Donc là je sais qu'il est ici, hop. Je mets en face GCJ. Voyez en haut à gauche, il y a une tête de mort. Là on va aller à Gotham et Metropolis. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on croise, on peut les taper. Alors ici, si je dis pas de bêtises. Alors normalement, il y a des missions qui sont ici. Alors moi, je dois les avoir. Ces missions, vous les prenez, c'est pour tuer les criminels. Alors, les criminels si vous êtes héros, et les héros si vous êtes criminels. Vous prenez cette mission. Alors c'est pour tuer les ennemis, on va dire les ennemis. Et normalement, ici, il y a ce qu'on appelle... Alors là, il n'y est pas. Alors je crois que c'est ici, de mémoire. Il y a la guerre des... Il y a la guerre des anneaux. La guerre des anneaux. Alors attendez, si j'ai pas de bêtises, j'ai l'impression qu'il y a... C'est quoi qu'il y a là? Ah la super vitesse. Oh putain, il y a Heatwave. On se fait Heatwave en Madden PVP? Allez, qu'on soit fou. Oh mais c'était pas très compliqué hein. Bon lui c'était pas du PVP lui. Il y a ce qu'on appelle la guerre des anneaux. La guerre des anneaux. Je crois que c'est ça, si c'est la guerre des anneaux, non? Ah, attendez, parce que là, ouais, c'est la guerre des anneaux. Je confonds avec le Seigneur des anneaux, il faut que je fasse gaffe. En gros, c'est pas compliqué. Ici, vous allez avoir un ou deux camions de banque, je crois. Et quand vous tapez dedans, il y a des petits sacs qui vont tomber. Vous ramassez les sacs et il faut les ramener là-bas. En gros, c'est des sacs de diamants, je crois. Et il faut les ramener dans un camion qui va se trouver ici. Vous les ramenez, je crois qu'il y en a 25 à ramener. Comme si vous êtes tout seul, vous allez faire la mission tout seul, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y a ce qu'on appelle la guerre des anneaux là, il y a un message qui va s'afficher dans Gotham. Donc tous ceux qui sont dans Gotham qui voient ce message peuvent venir le faire. Mais du coup, quand vous faites ce message, alors là je suis en phase PVP, c'est-à-dire que là il n'y a que du PVP. Mais si je suis en phase PVE et que je viens faire cette mission, ça va me mettre en mode PVP. Donc tous ceux qui vont faire cette mission seront en mode PVP, ça fait qu'on va tous pouvoir se taper dessus. Donc faut faire attention. Alors quand vous êtes héros, vous avez plus de chances de gagner parce qu'il y a plus de héros que de criminels. Bon là le problème c'est que le truc là il n'y est pas. Donc on va aller à Métropolis et voir à Métropolis s'il y est. Là vous avez vu, il est ici. Il est ici. Alors je sais pas comment s'appelle. Ce commissariat, il est quartier Diamond à Gotham. Et alors là, vous n'oubliez pas de prendre cette mission. Cette mission, elle compte dans les exploits parce que c'est par rapport à tuer les ennemis en PvP. Donc ça compte. Donc prenez cette mission, elle compte dans les exploits. Elle vous avancera dans vos exploits. Là, comme c'est pas, il n'y a pas le truc, on va aller à Metropolis. Pour revenir à ma barre de pouvoir, là, vu qu'on a mis l'artefact Grimorium. Grimorium va mettre l'effet. Donc à la rigueur, quand vous attaquez un ennemi, au pire, vous faites juste ces deux pouvoirs pour commencer. Et à la rigueur, s'il est tombé par terre, l'ennemi, là, vous mettez ça. Mais si vous commencez à mettre ça, et qu'après vous attaquez avec ça, ben, entre les deux là, entre le tapis de sol et la deuxième attaque, l'ennemi va avancer vers vous. Donc du coup, la zone, elle va être dans le vide. Donc autant... Attaquez directement comme ça, vous attaquez votre ennemi, dès qu'il tombe, bing, vous remettez le tapis de sol. Alors soit vous mettez le tapis de sol, ou vous mettez un puits d'âme. Pourquoi pas mettre un puits d'âme? Alors je parle en sorcier, hein, je suis sorcier. Je vous donne un peu l'idée que je pourrais faire, on va dire. Alors maintenant, on va faire attention parce qu'ils vont me rouler dessus. Alors déjà, on va regarder un truc. Là, pour regarder la phase, vous allez à carte, phase. Regardez, je suis tout seul. Donc déjà, si le truc PVP il y est, je vais pas taper sur grand monde. Hein. Et en PVE, ils sont 34. Maintenant, là où on veut aller, merde. Alors là, on recule un peu. Là, on doit aller là où il y a les Green Lanternes. Alors les Green Lanternes, je ne sais plus où ils sont. Il me semble que c'est vers l'hôtel de ville, non? Il n'y a pas marqué un truc par rapport au Green Lantern? Base 1, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelqu'un qui a une base là-bas, donc du coup j'ai accès, je sais pas qu'est-ce que c'est.
Alors on va aller voir. Il me semble que l'hôtel de ville, donc c'est tout droit. En gros, le JCJ là, à Métropolis, se passe là où il y a les Green Lanterns. Donc on va y aller. Donc le PVP à Métropolis, enfin la guerre des anneaux à Métropolis, se trouve en face de la tour de la LexCorp. Alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est cette tour-là. Ouais, c'est la tour de la LexCorp. C'est pas loin des Green Lanterns. Ici, c'est pas la guerre des anneaux, alors j'ai le premier qui me dit que c'est la guerre des boutons. Ici, en gros, c'est une espèce de bulle verte et jaune, et je crois que nous, on doit faire les bulles vertes, enfin, un truc comme ça, un truc simple, c'est un truc simple, hein, faut pas. Alors j'aimerais qu'il commence, par contre, j'aimerais qu'il commence, sauf que. Je sais pas quand c'est que ça va commencer. Ce truc PVP. Je crois que c'est une fois toutes les heures, un truc comme ça. Et après, normalement, il y aura un vendeur qui se trouvera vers ici. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'à Gotham, j'ai pas vu de vendeur. Et ici, je vois pas de vendeur. Donc, c'est bizarre. Normalement, ça devrait commencer dans pas longtemps. Les trucs d'émission que j'ai parlé se trouvent dehors. Comment dire? Sur les murs des commissariats. Prenez-les. Vous les prenez. Alors, moi, peut-être. Alors, je pense que je dois peut-être l'avoir. Peut-être dans les cachets. Alors je sais pas où. Regardez toute l'émission que je suis censé faire. Regardez les avis de recherche. C'est celui-là que je vous parlais, c'est ça. En gros, ça, alors vous gagnez des boissons, on s'en fout, mais ça vous fait avancer un feat. Alors je sais plus lequel, mais ça vous fait avancer un feat. Ça vous fait avancer un feat, je sais plus lequel c'est. Regardez déjà. Déjà, elle remporte l'événement des JCJ. C'est ce que je parle. Guerre des anneaux et vol de diamants. Il faut en remporter 100. J'en ai fait 65. Il y en a qui ont dû les faire. Il y en a qui les ont fait parce qu'il y en a qui sont vraiment à fond dans le PVP, moi j'étais à fond une période, j'ai voulu faire un maximum de trucs, mais je me suis arrêté parce que d'abord je suis une grosse merde et que ça me plaît pas trop. Là, regardez, j'ai quand même tué 9155 personnes, s'il vous plaît. Alors avant, pour monter les supercharges, on se tapait entre nous, je crois. Et des moments ça pouvait compter aussi. Maintenant, je crois que ça marche plus. Vous voyez, il y a plein de feats qui sont liés au JCJ. Après, alors pour donner un exemple, on va le faire. En parallèle, je vais m'amuser à lancer des missions en JCJ. Ah, ça doit être là-dedans alors. Regardez, JCJ. JCJ, on va tout lancer. Alors attendez, c'est quoi ça? Ça, c'est les solos. On va tout lancer. Alors peut-être que les solos vont démarrer, qui sait? Mais là je lance tout. Alors les raids, je pense pas qu'ils se lancent. Hein. Et là on va rigoler. Peut-être les solos se lanceront. J'ai appuyé sur prêt, non? L'après. Non. Oh. Alors apparemment les solos se lancent. Là, ben, je suis déçu déjà, vu que je me suis pas entraîné, vu que je suis une grosse daube. Je vais me faire éclater. Le mec qui va être en face, il va m'exploser. Alors là, vous pouvez regarder, vous faites flèche de gauche, alors c'est un criminel évidemment. Flèche de gauche, proximité pour voir son stuff. Sauf que vu qu'il y a le message en droite là, ben, ça m'empêche de regarder. Donc ça me gonfle aussi. Voilà, je l'inspecte vite fait. Il est en PV. Ah non, il est niveau 24. Je vais le défoncer. Alors attendez. Je vais le laisser. Voilà, ouais, non mais. Regardez, je le laisse me taper pour le fun, mais normalement je pense que je vais le défoncer. Merde, ah ben non. Ah, mais qu'est-ce que c'est ces conneries? J'ai rien compris. Ben, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors il faut prendre le point là. Alors là, je l'ai gagné, mais j'ai pas compris.
Alors, vous voyez, j'ai fait le moins 35%. Là, il faut capturer la zone, là. Alors, je sais pas si lui, je l'ai empêché de capturer. Alors, là, je mets le tapis de sol, comme ça, déjà, ça lui fera des dégâts. Bon, je l'ai tué. Merde! Ah, en plus, Omega, il me parle en même temps, du coup, je suis pas concentré sur ce que je fais. Alors là, ça fait du 1 contre 1. Alors, il arrive quand même à m'éclater. Comme quoi, le PVP, c'est. Alors, je pense que les niveaux doivent être équilibrés. Parce que là, je sais pas qui gagne, en gros. Je me fais défoncer. Je suis choqué. Alors, hop, je mets le tapis de sol sur moi au cas où il arrive. Je mets un bouclier d'office. Et là, j'attaque direct. Il arrive à me défoncer. Mais qu'est-ce que c'est, ces conneries? Mais je comprends rien. Alors on va mettre ce bouclier. Ah, le bouclier, il sert quand il veut. Non, mais c'est pas possible là! Monter mon stuff, lui il est niveau 20 et en gros ça équilibre pour lui. Alors je trouve pas ça normal parce que nous on se fait chier à monter les trucs, sauf que lui non. Donc je trouve pas ça super cool là. Je trouve pas ça très cool. Il y en a qui sont. Ça fait quand même 10 ans que je joue, j'ai monté tous les trucs. En gros, le mec il a le même niveau que moi alors qu'il a rien foutu. Le mec il joue depuis 3 jours, c'est pas normal. C'est pas normal. En plus, je me mange une tollée sa race. Alors, c'est toujours pareil. Il faut servir des protections. Le triangle appuyé pour casser la défense adverse. Se protéger quand il attaque. Bon, là, je me sers du combo là. Alors là, je pense que c'est moi qui gagne, mais je suis pas sûr. Alors, le combat va durer quand même 10 minutes. Hein. Allez, me reviens! Putain! D'où ma vie, elle descend comme ça? Oh! Ma vie, elle est pas remontée. Alors, on peut prendre une canette, sauf que là, je l'ai pas pris, donc là, je risque de mourir. Alors, je me protège pour aller plus vite. Je vais mourir, hein. Sa race, enculé. Il arrive et je trouve. C'est pour ça que je crois que les gens ils avaient arrêté le PVP à cause de ça. Alors regardez, il est séparé de. Il s'est barré du truc parce qu'il voulait pas que je le prenne. Donc là, du coup, je le prends. Alors par contre, lui il a un petit pet là qui arrive. Ah ouais, mais je l'ai pas moi. Alors le pet, c'est bizarre, ils doivent s'enlever peut-être pour. Quand on fait du PVP. Donc hop, là c'est bon. Alors normalement, c'est presque fini, hein. Alors les boucliers sont actifs quand ils veulent. Mais je vais pas y arriver, c'est pas possible! Il faut. Il y a un bug ou quoi? Alors apparemment j'ai gagné si j'ai pas de bêtises. Alors ça c'est des nouveaux. Alors apparemment je l'ai tué 7 fois, il m'a tué 5 fois. Au niveau des dégâts on est similaire, c'est pas normal. On voit plus le niveau, mais regardez le niveau qu'il avait, c'est pas normal. Merde. Il est mort, alors attendez, moi je suis mort 5 fois, il est mort 7 fois. Pouvoir donner, guérison on n'en a pas, dégâts infligés, on a presque similaire. Pour moi c'est pas logique. Alors là la vie remonte. Je vous ai montré un peu que. Alors en JCJ, je suis assez étonné. C'est que ça part à 1 contre 1. Alors je pourrais en refaire un autre, je pense que ça partirait, sauf que ça me stresse, enfin c'est pas ça me stresse, c'est que ça m'énerve le JCG, ça m'énerve, j'ai envie de taper la télé. Donc on va pas en refaire parce que j'aime bien ma télé. Je voudrais surtout vous montrer moi le.
Ça, là, alors ce chrono pass, je sais qu'il existe encore, mais là il n'y est pas. Donc au pire, j'irai bien à Gotham, mais si je vais à Gotham et qu'il arrive ici, c'est quoi que j'ai vu là? Il y a un point rouge. Ah, ça doit être. Il s'en fout de moi ou. Alors je pense qu'il faut taper sur l'autre qui est là-bas d'abord. Voilà, je sais pas si j'ai pas fait une bêtise, moi, non? Ils s'en foutent? C'est quoi ce manque de respect? Alors là, voilà, j'essaie de monter pour voir le point rouge en haut, sauf que je suis en super vitesse et que ben, c'est la merde. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe. Oh là 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 là. Ah mais lui je pense qu'il bosse pour SFR lui, parce que SFR ça arrête pas de merder, donc il doit bosser pour SFR, c'est un saboteur, je pense que c'est pour SFR. Alors ça je sais plus à quoi ça sert ce truc là, je crois que c'est l'apparition et réapparition quand... je sais plus. Il y a longtemps que je m'en suis pas servi, je sais plus. Donc le... Ici, alors j'aimerais bien qu'il apparaisse le truc pour qu'on le fasse ensemble, pour comme ça vous allez le voir. Sauf qu'il n'apparaît pas, donc au pire on va aller à Gotham. Je pense qu'en plus qu'à Gotham il y aura peut-être un peu plus de criminels. On va aller à Gotham, on va attendre à Gotham. Début imminent de l'événement JCJ Voldemort. On arrive pile poil au bon moment. Franchement, c'est le hasard qui fait bien les choses. Donc défi imminent, donc ça devrait arriver bientôt, j'espère que ça va être rapide. Ça je vais le prendre parce que j'aime pas le bruit, ça m'énerve. Ça je l'ai même pas fait, j'ai fait... Alors je crois que j'ai même pas pris la mission, donc en gros je le fais pour rien. Dans le... Alors ça c'est le petit hors sujet. Vous avez des collections dans l'événement. Alors une petite astuce. Les collections, moi avant je les gardais, je les mets dans une banque à part. Et je les revendais 6 mois après au courtier. Parce qu'on les vend plus cher. Parce qu'il y en a qui leur en manquent, donc on les vend plus cher. Et après il y a les nouveaux qui arrivent. Ils se disent, ah la collection je l'ai pas, je sais pas ce que c'est. Donc en gros on arnaque un peu les nouveaux. Et on peut arriver à les vendre assez cher, enfin pour... regardez, je l'ai droppé facilement, donc voilà, pour... c'est du bénef quoi. Donc même si je l'ai vendu... Ah mais c'est là le truc. Je suis con moi. Il fallait s'avancer. Alors vous voyez, j'ai mis un coup d'épée dedans. Ça, je dois l'attraper. Et le mettre là-bas. Alors en général, il n'y a pas beaucoup de criminels. Super vitesse à la con, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de criminels qui le font. Là, quand on va le finir, parce qu'on va le finir, vous allez voir qu'il va avoir un vendeur ici. Et le vendeur vend des armes JCJ. Alors on va aller voir parce qu'en même temps, on va voir s'ils vendent des nouveautés comme il y a longtemps que je suis pas venu. Alors il y a une petite astuce aussi, c'est que vous les prenez et vous les jetez vers là-bas. Et comme ça, après, ça sera plus près du camion. Alors vous pouvez même sauter pour faire un panier à 3 points. Non mais c'est pour que ça aille directement là-bas. Vous voyez là, il y en a... Bon, je les ai un peu rapprochés quoi en gros. Alors quand vous êtes deux, ben, c'est nickel. Il y en a un qui les met là. Et l'autre qui les jette. Alors là, vous voyez, il n'y a aucun criminel autour. Donc c'est cool, c'est facile. Mais moi, ça m'est arrivé il y a 1 dizaine d'années, quand on le faisait, ici, il y avait gavé de criminels, gavé d'héros. Donc on faisait presque du 10 contre 10. Donc il y en a qui faisaient ça, pendant que les autres tapaient les criminels ou les héros. Bah, un coup ou un triangle appuyé, je crois que ça revient pareil. Voilà, hop! Alors, voilà, alors vous voyez, démons sauvés, les héros ont gagné. Donc regardez, 20 les nouveaux criminels. Alors là, il n'y en a pas parce qu'il n'y en avait pas. Alors logiquement, maintenant on va attendre. Voilà, vous voyez ce que je voulais dire?
Diriger un champ de gens pour cette mission. Alors ça, je sais pas pourquoi il me dit ça. Pourquoi il me dit ça? Il y a quelque chose de nouveau dans la chambre de légende? Non, ça doit être pour parler à la cour. Alors, elle, est-ce qu'elle vend des nouveaux stuff? Elle vend de l'arme? Alors, vous voyez, la monnaie est une monnaie spéciale PVP qu'on gagne quand on fait des trucs de PVP. Je regarde si elle vend. Alors, je crois qu'elle vend que le stuff. Alors, par contre, non, tout le stuff qu'il y a, c'est du stuff qui est en dessous de ce que j'ai. Elle vend rien de neuf, elle. Eh bien, depuis le temps, ils auraient pu vendre quelque chose quand même. Mais bon, quand vous débutez, c'est ici qu'il faut venir. Et si je dis pas de bêtises, c'est ici que vous avez ce style d'arme. Et le style d'arme. Alors attendez. Comment on fait déjà? Arme. Arme principale, triangle. Je vais pas y arriver, hein. Normalement, le violet, là, on doit pouvoir le changer. Alors, ah ouais, c'est parce que, regardez. Là, si je mets aucun, le violet, vous voyez, ça fait... alors, c'est ça que je voulais voir. Regardez, ça fait un peu un sabre laser à la Star Wars. Enfin, avant, voilà, avant, on jouait... Alors, il y a celui-là, il y en a un autre aussi qui ressemble à un gros bâtonnet géant qui fait comme ça. Alors, c'est joli, nanana... Alors on peut changer les. Alors vous voyez, il faut même mettre une matière sur l'arme. Alors que ce soit l'arme principale ou l'arme secondaire. Ce jeu, comme je l'ai dit dans la vidéo qui présente le style, ce jeu au niveau des styles est impressionnant quand même. Parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Comparé à d'autres jeux où on est vraiment limité. On peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Alors peut-être qu'il y a des jeux où on peut faire plus. C'est les jeux de catch, je sais que c'est encore plus poussé. Mais là, c'est quand même balèze. Ce qu'ils ont fait, c'est balèze. Parce que des jeux de ce style, d'autres jeux de ce style-là, n'ont pas on ne peut pas faire pareil. Blessed in the Shed, si je dis pas de bêtises, le style qu'on a, c'est le style de notre armure. Donc en gros, si j'équipe une armure, je suis obligé d'avoir le style de l'armure. Là... On n'est pas obligé. Là, j'ai le style que je veux. Si je veux me transformer en une citrouille géante, je me transforme en une citrouille. Si, regardez, tout ça, c'est les styles que j'ai. Si je veux une tête d'ours polaire, j'ai la tête de l'ours polaire. J'ai vraiment ce que je veux. C'est vraiment poussé à ce niveau-là, ce jeu, il est balèze. Bon, je vous ai expliqué un peu le PVP. On a fait un match PVP que j'ai failli perdre. C'est pour ça que je ne vais pas m'en remettre. Hein. Le gamin là de niveau 15 là qui a fait me foutre une branlée, c'est pas possible, c'est intolérable. Dites-moi en commentaire si vous continuez le PVP, si je sais qu'il y a des rendez-vous alors sur Facebook ou je sais pas quoi, où ils se donnent une heure à un endroit pour faire du PVP, parce qu'il y en a qui aiment ça. C'est fun, hein? Alors ils y vont en groupe, il y en a qui aiment ça. Moi j'en ai déjà fait une fois ou deux. C'est marrant, moi c'est pas mon truc, mais il y en a qui aiment ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à plus tard.